Bonjour à tous et bienvenue dans les Gaffes Histoires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Overwatch, une histoire, celle de Ange, son rôle de soutien. Identité, Angela Ziegler, âgée de 34 ans. Profession, médecin urgentiste équipé de premiers secours. Base d'opération, Zurich. Suisse, affiliation Overwatch, anciennement. Son histoire. Les héros ne meurent jamais. Véritable ange gardien, pour ceux qu'elle prend en charge, le docteur Angela Ziegler est une soignante hors pair, une scientifique brillante et une fervente partisante de la paix. Ziegler a gravé les échelons jusqu'à la direction du service de chirurgie d'un grand hôpital suisse avant de lancer une percée révolutionnaire dans le domaine des nanotechnologies appliquées qui a amélioré de façon radicale le traitement des maladies et des traumatismes potentiellement mortels. C'est grâce à ce domaine d'expertise qu'elle a attiré l'attention d'Overwatch. Privée de ses parents par la guerre, Angela Ziegler était opposée à l'approche militariste de l'organisation et dans le maintien de la paix mondiale. Mais elle finit par reconnaître qu'Overwatch lui offrait l'opportunité de sauver des vies à bien plus grande échelle. Et devenant responsable de la recherche médicale d'Overwatch, Angela cherchait à optimiser l'application de ses travaux pour dispenser les soins sur le terrain dans les situations de crise. Ses recherches se concrétisèrent sous la forme de l'armure de traitement des urgences Valkyrie qu'elle pilota elle-même lors des nombreuses missions d'Overwatch. Malgré ses contributions significatives, elle était fréquemment en désaccord avec ses supérieurs et les objectifs globaux de l'organisation. Après la dissolution d'Overwatch, Ziegler put se consacrer à apporter de l'aide aux victimes de guerre. Même si elle passe maintenant l'essentiel de son temps à soigner les victimes et les réfugiés dans les zones de crise aux quatre coins du globe, on peut encore compter sur le docteur Ziegler et sur son armure Valkyrie quand des innocents sont en péril. Par rapport à ses capacités, caducée, Ange projette un des deux rayons sur un allié. En maintenant les rayons, elle peut soigner l'allié ciblé ou augmenter les dégâts qu'il inflige. Miséricorde, Ange peut tirer avec cette arme de poing qu'il vaut mieux conserver pour sa protection personnelle. Ange gardien, Ange vole vers un allié ciblé. Elle peut aussi rejoindre rapidement ses coéquipiers pour mieux les assister dans les moments cruciaux. Saut de l'ange. Grâce au propulseur de son armure Valkyrie, Ange peut ralentir sa vitesse de chute et descendre de n'importe quelle hauteur. Résurrection, capacité ultime. Ange irradie de puissance restauratrice et ranime les alliés morts autour d'elle avec la totalité de leurs points de vie.